Un verre, c'est tout ce que j'ai bu. Ah ouais? Eh ben visiblement c'était un de trop, hein. Oh la vache, le mec qui fait des trucs contre l'escalier, il s'est engagé dans l'armée. Putain, il était en civil jusque là, c'est la première fois qu'il est habillé en militaire édanien. Oh les boules, c'est encore pire, il fait l'amour à l'escalier. Oh là 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 là, c'est vraiment chelou cet endroit. Tu pourrais pas aller causer à ton pote là et lui demander d'arrêter de faire ce qu'il fait, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Aïe 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 aïe. Bien, alors maintenant il faut récupérer les améliorations du chat. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre explication que chasse au trésor point barre. Donc niveau RP c'est un peu moyen. Il n'y a pas trop d'introduction. On va suivre le GPS. Ma foi, suivons le GPS. Et trouvons ce que nous sommes venus chercher. Sauf que... Ben non. Ah ! Y'a rien. Ok. Ok, ok, ok. Alors, c'est peut-être de l'autre côté du mur. Ok, on va passer là. Peut-être dans cette maison-là, plutôt ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, le GPS, il me fait aller là, hein, pas de doute. Sauf que c'est bien ça, ça doit être derrière. Je ne connais pas. Il n'y a rien dans la baraque, donc ça, c'est le GPS qui déconne. Voilà. Tu veux bien monter, mon GG, s'il te plaît. Tu montes, GG d'amour. Merci, mon GG. Voilà. Et là, ah! Là, regarde. Ah oui, il y a un beau symbole. GG, ça suffit, regarde. Beau symbole. Je devrais jeter un œil aux alentours. On a trouvé un symbole. Où est Eustache? C'est lui qui coltine les corps, d'habitude. C'est vrai. Il y en a tellement à scoltiner qu'on fait des roulements. Le fourneau ronfle jour et nuit. Bien. Il est arrivé à Folter, la ville a besoin d'être purifiée. N'aurait pas eu cette ordure. Par le fer et le feu. Si vous la voulez pure, faut que je passe. Le chariot déborde de merde. On est à deux doigts de sortir de la zone. Ah, mais monte! Je devrais jeter un œil aux alentours. Je fais que ça, GG. En faisant boum. Un marchand? Un usurier. Salutations. Devez-vous à mettre en gage? Et combien en voulez-vous? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis à sec? On a tous nos mauvaises passes. Et vous n'avez pas l'air plein aux as. Ça va, en ce moment, je n'ai pas à me plaindre. Dans ce cas, j'ai donc un œil à ce que de moins chanceux ont gagé. Montrez-moi la marchandise. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Je sais pas ce que c'est. Mais à la limite, on s'en fout un peu. On peut aller regarder vite fait. Mais c'est pas là, de toute façon, parce que ça, c'est de l'artisanat. Donc, moi, je suis désolé, mais ça peut pas être là, parce que nous, ce qu'on a acheté, c'est un putain de bouquin.
Aidez-moi donc, Jacob le rebelle, autrefois réputé comme un indécrottable libertin et bagarreur, depuis les tavernes innombrables de Nazaïr jusqu'aux étendues sauvages de Zerikania, et utiliser mes dernières forces pour tirer mon embarcation sur le rivage. Le radeau que j'avais rassemblé avec une vieille botte, des morceaux de courroie et un tonneau brisé avait embarqué tant d'eau qu'il aurait suffi de 2 litres de plus pour m'envoyer par le fond. Pourtant, je me tenais sur la terre ferme et c'était tout ce qui importait. Il n'y avait pas âme qui vive à l'horizon et mon estomac garouillait si fort que je me suis mis à explorer la zone. L'île n'abritait aucun gibier, mais il y avait des fruits à profusion. J'ai mangé si voracement que du jus me sortait presque par les oreilles. Puis j'ai entrepris de rassembler du bois afin de me préparer un abri pour la nuit et me réchauffer. C'est alors que j'ai découvert la plante étrange qui allait changer ma vie jusqu'à mon dernier jour. Ignorant tout de sa valeur, je l'ai utilisée avec insouciance pour allumer mon feu. Pourtant, dès que sa fumée s'est élevée et que son doux parfum est parvenu à mon nez, je me suis senti plus léger et tous mes soucis ont été emportés par la brise marine. J'ai consacré les années suivantes de ma vie à des recherches sur cette plante miraculeuse et ses propriétés, ce qui m'a permis de mettre au point une méthode qui changera la vie de tous ceux qui la mettront en pratique. Voici comment commencer. Oui. Ça sentirait pas le début de quête? Même pas. Tu m'en voudras pas si je vais à l'étage, mon ami, parce que moi, je suis quand même un peu à la recherche de... Non, c'est verrouillé. Bon, on peut pas. Et là, dans ce sac, une selle de course de maître. Bah, écoutez, on sera pas venu pour rien quand même. Hein. Mais le cerf est quand même pas grand, hein. Ouais, possible. Il y en a qui respirent encore quand je les balance au feu. Au-dessus. Parce que ça m'énerve, ça. Tu montes, putain! Je devrais jeter un œil aux alentours. Voilà. Maintenant, faut que je le trouve. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une échelle. Et voilà. Cherche pas, on y arrive. Tout à beurre rouillé. Fatale chimique. J'ai pas vu un truc briller par là, moi. Oui, je suis en plein dedans. Là. Voilà. C'est laborieux, papy. Mais c'est le GG aussi, là. Il est chiant, il veut pas grimper sur les petits murets. Il a peur de salir son pantalon du chat, là, parce qu'il pleut un peu. C'est rien, il pleut. Il pleut bergère, quoi. C'est pas la fin du monde, GG. C'est pas la fin du monde, moi, je dis. Ça, c'est dangereux, ce que tu fais. Tu devrais le savoir, en plus, que c'est dangereux, bordel. Alors, on a 1847 pas. On se pousse les pecnos. Merci, on se pousse. Autant dire que je vais là. Hop, là. Et que je m'en vais directement en zoo. Ah oui, très très loin. Très 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 loin à Ben Kellam. J'ai pas plus près en termes de... Non, j'ai pas plus près que Ben Kellam en termes de déplacement rapide. Bon. Et on est encore à 1275, hein, forcément. Putain, il y a des bébêtes. Oh, c'est des cousins! Ah, tu m'énerves, le loup, c'est bon, là. Crame. Bordel. Range ton épée, GG, c'est bon. Allez. Je sais pas pourquoi il veut que je fasse demi-tour. Hein. C'est devant nous.
Mais le GPS est très con, il veut qu'on fasse demi-tour. Sauf que bien évidemment, on va pas faire demi-tour. C'est évident. Pour entrer dans la grotte. Allons-y. Ah, les grottes. Ça faisait longtemps, mon GG. Voilà, faut descendre là, tout simplement. Ah, ça, savoir ce qui nous attend. Un troll, un élémentaire. Il est là. Je devrais jeter un œil aux alentours. C'est vrai, tu devrais, GG. Compliqué qu'il n'y paraît. Non, c'est là, c'est bon, on a les bottes. Allez. Ah, c'est chaud patate quand même cette histoire. Et on repart à 1048 pas. Là-bas. Pourquoi là-bas? Tu sais pas. On va aller regarder. Le GPS, mais il déconne, mais à plein tube aujourd'hui. C'est incroyable. Incroyable. Parce que nous, c'est là-bas qu'on va, tout à l'est. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas été très bien lotis. Peut-être veut-il aller chercher un point de déplacement rapide. Peut-être. J'imagine d'ailleurs, parce que sinon ça va être long. Hein. Je sais pas s'il faudrait mieux pas redescendre à Beckelham. Ou aller chercher un point de téléportation par ici. Allez, 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 on va faire point d'exclamation en plus. Allez, on est fou, on est fou. Point d'interrogation, pas d'exclamation. Ce sera déjà mieux comme ça. Il fait beau, la tenue de GG resplendit de mille feux au soleil dans la verdoyante, luxurieuse végétation de Vélène. Et nous allons marquer un nouveau point d'interrogation qui sera peut-être un point de téléportation. Tout ceci finit en ion. Quelle délectation! Trésor caché, ah ben. Je croyais que t'allais me toucher. Allez, allez. Oh, oh, oh. Oh, cette exécution. Drabik, je veux savoir à quoi tu joues. Qu'est-ce qui te prend de laisser traîner le trésor sous les yeux de tout le monde? Tu crois peut-être qu'on est les seuls bandits de la région? Comme tu es, je préfère te rappeler que non, ça n'est pas le cas. Alors tu vas me faire le plaisir de tout ramasser vite fait et de planquer tout ça quelque part où personne d'autre que toi ou moi ne pourra le trouver. Sinon, je te tanne le cul jusqu'à en faire du cuir. Signé Métis. Dommage. Ah, quoique, nous avons caché aux yeux du monde. Oh. Allons-y, ça fera une quête en plus dans la quête. Les Bambis, ils ont le cul vert, les Bambis, ici. Ok, le trésor est caché par ici. Pas de grosse difficulté, on a bien compris. C'est un bon coin pour cacher un truc, en effet. Là. Ah ah ah! Allez! Ah, c'est un peu Veni Vidi Vici, hein. Là c'est Veni Vidi Vigo, mais moi c'est Veni Vidi Vici. Hein.
Alors, ça n'était pas un point de téléportation. Hélas. Hélas. Nous allons donc devoir aller là-bas, hein, on ne sait jamais. Peut-être que par ici, on va en trouver un. On n'a pas trop le choix, hein, de toute façon. Oh là, oh là là, oh là là, hé, oh, oh. Allez. Non mais... Allez, Necker, là. Ça, il en reste un encore. Ah, il est pas, lui. Ah, ah, bah, il s'est laissé suicider. Allez, en mode manoudou en plus, c'est parti mon kiki. Histoire d'aller chercher un point de téléportation. Qu'est-ce que c'est, des chiens sauvages? Qu'est-ce que tu veux que je m'embête avec des cabots ou des cabots sauvages? Non mais sérieusement quoi. Et puis tu t'éloignes. Mais je sais, en apparence je m'éloigne, mais dans les faits, je vais finir par trouver un point de téléportation. Oh. Attention, ça va péter. Recule, GG. Voilà. Allez. Bonjour, toi. Maudit garde à la manque. À ça, on en a pour son argent. Merci à vous, sorceleur. Sans vous, que serais-je devenu? On se le demande. Les gardes se sont enfuis. Oh, ils n'ont pas eu cette chance. Ce sont eux que vous venez d'Oxyr. Ils ont attendu que l'on se retrouve en rase campagne pour passer à l'attaque. Allez, dire que j'avais fait en sorte que ces malandrins soient bien armés. Nous n'avions aucune chance face à eux. Eh, clairement. Engager des brutes. Mauvaise idée par les temps qui courent. Pour protéger une caravane, il vous faut quelqu'un de confiance. Je n'ai pas les moyens d'engager quelqu'un à long terme. Où avez-vous trouvé ces gars? Ils prétendaient être d'anciens soldats téméraires. J'en ai conclu qu'ils connaissaient les ficelles. Un peu trop, même. Merci encore. Tenez, c'est ce qu'ils devaient toucher une fois à bon port. Cet or vous revient. Eh ben, on sera pourvenu pour rien. Ma foi. Hi. Cheveux blancs, tenez donc. Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleures affaires de ce que. Allez. Allez, c'est reparti. Oh, c'est un cimetière. Et par là, il y a de la brume. Je suis pas sûr qu'on trouve un point de téléportation par ici, du coup. Une vieille masure détruite et une bestiole que j'ai pas vu ce que c'était. C'est un trésor gardé. La bestiole est où? Elle est là. Là. Ah ouais. Ah, tu veux la jouer comme ça, toi? Bah, je t'ai coupé en deux. Une algoule. Bon, il y a un trésor. Eh ben écoutez, on aura fait ça au moins. Allez, c'est violent. Bon, par contre, ça ne m'aide toujours pas. C'est toujours pas un point de déplacement rapide, mais il n'y en a vraiment pas ici. Là, il y a un village.
Vous n'allez pas me dire que là, dans ce village-là, il n'y a pas un déplacement rapide. C'est une zone qui est beaucoup trop large, sans point de TP, ça, c'est pas possible. On repasse au cimetière, en fait, il faut aller de l'autre côté de la caravane. Ouais, on se détend, les chevaux. C'est qu'un sorceleur, tout va bien. Un nid de monstre. Bon. Un nid de ghoul. Je vais m'en débarrasser. Bah ouais. Voilà. Un point de TP. Que dalle. Toujours pas. On aurait mieux fait d'y aller directement sans se poser de questions. Oui, je suis assez d'accord, au final, parce qu'on va finir à Oxenfurt. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on découvre des lieux en même temps, c'est super, c'est bien. Allez, regarde, hop, on y va. T'es sûr que tu vas dans le bon sens ? Oui, je vais dans le bon sens. C'est juste là que ça se passe. Et c'est sûr que là, on est en plein campement de bandits. Bon, bonjour messieurs! Pitoyable. Allez, bon! Oh non, pas un coup de poing quand même! Mais si! Par les tétons de Benitel, oui. Aïe! Allez, tranché en deux. Bon, fini de jouer. Ah, je crois qu'on a coupé les deux jambes d'un coup. C'est bon, ça. Bon, y a-t-il un coffre, quand même? Oui. Oui. Oh là 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 là, c'est violent. Mais quelle violence. Par contre, une chose est certaine, c'est toujours pas... Non, mais on va arriver à Oxenfurt. On va arriver à Oxenfurt, voilà, voilà. Au village des tailleurs de pierre, je pense. Hein. C'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de plus proche, au final. Ouais, 214 pas. Bon, quel périple, mes enfants, quel périple. Mais enfin, bon, nous aurons... Nous aurons visité, nous aurons découvert des points d'interrogation, nous aurons fait tout un tas de choses encore. Magnifique. Vous êtes gentil ou méchant, vous ? Hors de ma vue. Ah ! Ah ! Ok. Bonjour les Rédaniens. Bonjour. Il reste plus grand chose par là. Hein. Ah ouais, là, mais au moins il y a tout ce que je demande, c'est ça. Donc ça me suffit. Allez. Et mais non, mais en plus c'est qu'il y en a pas tout près. Bon, on va juste aller à la porte de Novigrad à la sortie d'Oxenfurt. C'est n'importe quoi cet épisode. Aïe 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 aïe. 600 pas encore, c'est pas possible. Le type des collines, sur le fromage de chèvre. Allez, allez, on y va. Allez, allez, c'est pas du tout, je s'il te plaît. Quittons les campements rédaniens. Faites-vous des amis au bain public, parce que question odeur. Tu savais ce qu'elle te dit, mon odeur. Allez, 400 pas. C'est pas les 400 coups, mon GG, c'est les 400 pas. Mais ça va aller.
Ah, un ours. Adieu l'ours. Mais on ne tue pas que des monstres, on tue aussi des gros animaux. Des gros animaux. Allez, plus que 200 pas, GG, c'est bon. Allez, mon GG, il fait des 100 pas. 14h30, le temps est dégagé, on approche, on arrive, 61 pas, au manoir abandonné d'Aeramas. Ah oui, il est plus qu'abandonné, oui. Mais au moins, on a trouvé un... je sais pas si on a trouvé un point de téléportation rapide. J'aimerais bien qu'on ait trouvé un point de téléportation rapide. Oui, c'est bon, pour rentrer, c'est bien. Pour rentrer, c'est parfait. Fromage et ténèbres. Fromage et ténèbres, rien que le nom m'amuse. Nous verrons ça plus tard. Nous ne sommes pas là pour ça, nous. Ah, on entend le chat. On entend des murmures du chat, non? Attends, qu'est-ce qu'elle dit cette... qu'est-ce qu'elle dit cette quête? C'est une quête secondaire. Fromage et ténèbres. Là, il est là. Il dit rien, GG? Il dit rien, là? Oh non, il dit rien. On peut trouver un coffre. J'entends des drôles de bruits, moi. Ce cadavre. La maison a été ravagée, mais le cercle magique est intact. Probablement un portail verrouillé. Essayons de trouver la clé. Ah non, mais ça m'intéresse pas, c'est pas le mien, ça. C'est pas mon intérêt, ça, GG. Ça m'intéresse pas, je veux pas faire cette putain de quête. Tout ce que je veux, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Il y a même pas un petit... Que dalle. Incroyable, on a même pas eu un petit... On va se compter d'aller voir notre forgeronne préférée, d'aller voir ce qu'elle peut bricoler avec et nous en aurons... Enfin, terminé avec cette chasse. Ils s'en fait défoncer. Hey, une quoi? Ça te surprend? J'ai voulu se frotter à un sorceleur. Si c'était toi la foule, qu'est-ce que c'est? Qui oserait incendier? Allez, file-moi la pièce. Pile, on décrate les...
Ah, c'est là. Ouf. Pousse-toi, vieil homme. Non, je veux pas causer au nain. Je veux causer à elle. Gérald. Mais oui. C'est gentil de passer nous voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais passer commande d'une armure. Une armure de sorceleur. Bottes de l'école du chat améliorées, elles vont faire 23 au lieu de 20. On a tous les ingrédients, ça coûte 114. Vas-y, fabrique. Oui. Ensuite, nous pouvons continuer avec les gantelets. Les gantelets de l'école du chat, les gantelets de l'école du chat supérieure. Les gantelets, y a pas ? Y avait pas les gantelets ? Ah bon, les pantalons. Les pantalons, y a pas non plus. L'armure. L'armure de l'école du chat améliorée. Voilà. Ici, ça s'achète. Ça s'achète. On peut pas l'acheter ? Il les vend pas ? Tu paries qu'il les vend pas ? Mais parce que souvent, il permet de les vendre. Enfin, il est d'accord. Et là, il vend rien ? C'est triste. Prenez soin de vous. J'ai regardé le nain. Le nain, lui, il me vendait les éléments. Salut, Gérald. Si ça se trouve. Et alors, cette armure, satisfait ? Vous êtes venu en commander une autre ? J'ai besoin d'une armure. Viens voir. L'armure de l'école du chat améliorée est où ? Là ! Putain, dans le temps, il permettait... J'ai vu pourtant des trucs dans lesquels il permettait d'acheter le composant qui manquait, quoi. Bah si, il a un goût d'acier noir, on peut le faire. Je sais plus combien il en faut, mais on peut... Il m'en faut au moins 4 de plus. Alors... Il me manque 4 cuirs durcis. Ah non, c'est là, il manque de la cire, là, par contre, mais... Non, mais cuirs durcis. Je peux même en acheter 3. Là. Sans déconner. Et on peut encore acheter de la cire en plus. Mais putain, dans les épisodes précédents, j'ai réussi à fabriquer des trucs. Quand il manquait les composants, il te proposait de te les vendre. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Regarde, là, on peut, là. On peut lui acheter des trucs. Et là, on peut pas. Là, on peut pas, là. Là, 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 ça, on peut pas, là. Putain, c'est pas vrai. Ah, maintenant, les plaques d'acier noir, on peut en acheter. Ah, maintenant, on peut. Tout à l'heure, on pouvait pas, maintenant, on peut. Ça, par contre, on peut pas. Minière. Ainsi, adieu. Au revoir. Ouais, ainsi s'en va Gérald. Triste, déçu. C'est pour ça qu'il a été maudit. Ouais. Ah !
Continuons donc notre périple en attendant de trouver la cire qui nous manque et en espérant que pour les prochaines armures nous ayons la possibilité de faire ça un peu mieux. Sinon on retournera voir notre ami Atori. C'est fini les cousins, allez terminé. Allez. Allons-y, encore une grotte. C'est ici que ça se passe. Bonjour. Il y a de la lumière, il y a quelqu'un? Ouh, il y a des ruines là-dedans. Mais la lumière semble indiquer que quelqu'un est passé par ici. Ah, attends. Visiblement, j'ai manqué quelque chose. Ah bah, j'ai dû manquer le signe du chat à l'entrée. Pardon, oui. Le signe du chat qui doit être gravé quelque part, j'imagine là. Je devrais jeter un œil aux alentours. Oui, GG. C'est bon, lâche le truc. Vas-y, mon GG. Lâche le truc. Tu vas là-bas, c'est les ruines. Tout va bien. La grosse bête est morte. Ah. Comment ça je peux pas faire ça maintenant? Je veux que je fasse ça maintenant. J'ai besoin d'une clé. T'as besoin d'une clé? Sérieusement, t'as besoin d'une putain de clé. Et où tu veux qu'on la trouve, ta putain de clé, GG? Là, sans doute. Ou bien là. Ah non, c'est pour autre chose la clé, certainement. Donc c'est très bien, nous avons trouvé l'amélioration de l'épée. Il nous reste le pantalon et les gantelets. Ouh, ça vient bon, mes enfants, ça vient bon, ça vient bon. Notre GG sera tout vous. Oh, nous voici à Toderas, nouveau marqueur. Je ne connaissais pas ce brave endroit. Ça, c'est merveilleux. Il faut dire qu'on est sur la rive est, là. On n'est pas trop venu par ici, en effet. Notre prochain étape se trouve à Oxenfurt. Allons-y, porte ouest. Bon, je garde enregistré jusqu'au bout, mais ça m'étonnerait que je fasse un épisode là-dessus. Je sais pas, parce que... Franchement, il n'y a pas non plus 50 000 trucs à trouver. C'est vraiment très très peu intéressant. Oh, c'est sympa comme tente. Hein. C'est le camping local. Hein. C'est des gros chats. C'est pas des mobiles. C'est des mobilos médiévaux. Voilà. Voilà. Alors, ça se passe en dessous. Bonjour le soldat rédanien. Bonjour. Ah ah. Et là. Non, cueillir du Nostrix, ça n'a rien à voir. J'ai cru que c'était par là, mais non. Entrons. Là. Bon, ça doit être dans une des caisses ici. Tac, aconite, non. Rôti de porc, non. Bon, si t'avais de la cire, bon, ça m'arrangerait bien. Allez, la totale. Ah, c'est verrouillé, on pourra pas. Donc à mon avis, c'est à l'étage qu'on va trouver ce qu'on cherche. Pas dans la bibliothèque, hein.
Là, c'est non, c'est la porte d'entrée principale. Donc c'est là. Allez, ce sera le coffre qu'on a sous les yeux. Ou pas. Non mais... elle n'est pas allumée. GG. Mais GG, là. Le massacre de Sintra. Chacun son livre de chevet. Hein. Et là, les coffres là, non. Ni dans celui-ci. Ah. Alors là, ça commence un peu plus à m'embêter, si tu veux, parce que je vois pas les endroits. Il reste pas d'endroit. Ah si, il y a une porte là encore. Ah. Ben non, on tourne en rond. Donc c'est pas ici. Ah merde. Attendez, il y a peut-être une cave qu'on aurait manqué. Qui sait? Y aurait-il une cave? Parce que là, pour moi, on a tout fouillé. Hein. Oui, il y a une cave, ah, tu vois bien. Regarde, GG! Allez, commencer par là, dans la cave qui se transforme en grotte. Là, regarde. Non, c'est pas par là. Ça a l'air sympa par ici aussi. Mais moi, j'ai vu un truc rouge. Hein. Ok, là. Non. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Il y a une brique pour démarrer le truc. Oh, une pièce cachée. Et dedans un coffre. Et notre schéma. Ouh, mes enfants. Ils n'en ont pas fait beaucoup des quêtes FedEx et c'est tant mieux, hein. C'est, ça manque un peu d'intérêt scénaristique quand même, tout ça, faut être honnête. Mais bon, si c'est pour que notre GG national soit beaucoup plus beau et surtout plus protégé après en vue des épreuves finales, ça me... Le linge vole. Nous sommes à l'intérieur. Que les cheveux de Gérald virevoltent au vent encore, je veux bien, mais là, je pense que s'il y avait un diagnostic énergétique, il serait pas classé A, hein, parce que ça a chauffé l'hiver, du coup avec des courants d'air pareils, parce que pour que le linge soit penché comme ça, il y a du courant d'air là, hein. Oh la vache! Ah, puis en plus on peut pas sortir dans le sens du vent. Sortir. Ah, enfin je suis dehors. Je respire. 610 pas. 610 pas, les enfants. Allez, 610. Je regarde la carte quand même avant. Ouais, c'est pas loin. Je vais pas prendre le point de téléportation rapide ici pour sortir là. Hein. Donc, faut pas déconner, hein. On prend plein ouest, voilà. Des types comme vous. On va aller récupérer. Je pense qu'on s'est planté. Hein. Je pense qu'il faut qu'on récupère le pont. Voilà, c'est plus par là, à mon avis. D'ailleurs, le GPS nous fait faire demi-tour. C'est foutu. Avaler mon épée, mutant. T'as failli tomber, GG. Recommence pas tes conneries. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pas par là, mon GG. Ou si, c'est par là. Il reste 61 pas par ici. Allons-y.
Allons-y, c'est par là que ça se passe. D'accord, c'est parce que sinon tu pouvais pas descendre. Visiblement, c'est pour nous faire descendre. Parce que là, le nombre de parts augmente, GG. C'est parce qu'il faut descendre en bas. Papy, on descend pas en haut. Oui, c'est vrai. Mais quand même, carrière des anciens. Nouveau marqueur, du coup. Je pense, non ? On y avait un marqueur à côté, non, il y était celui-ci. On est déjà venu ici, oui, on est déjà venu. Allez, 70 pas, il reste. Ah, attention, t'as failli te vautrer encore. Mon GG, faut que tu fasses gaffe quand tu cours. Tu fais ton footing, c'est bien, j'ai rien contre, mais fais gaffe quand même. Ouh, il y a un. Un pas de plus et ça fera un macabé de plus. Non, je dirais 3 macabés de plus pour ma part. Écoutez, je... Derrière vous, si tu crois que je vais tomber dans le... Oh, bordel! Oh, une bébête! Les monstres arrivent! Les gougoules! Les algoules! Voilà! C'est bon, je peux passer merci. Maintenant, vous me foutez la paix? Sans vous, on était sûr d'y passer. Aussi sûr que le gel en hiver. Merci bien. Attendez, parce que... Ok, Google. Ta gueule. Stop. Excusez-moi, c'est le Google Home qui s'est mis en route tout seul. Okay. Je devrais jeter un œil aux alentours. Non, mais le Google Home, des fois, voilà, quoi, c'est... On va pas être... Ça va pas être... Ah non, poupée de magie noire. C'est pas le coffre que j'ai imaginé, c'est celui-là. Alors, oui! Eh bien, écoutez, mes chers enfants, nous avons tous les quêtes mises à jour, c'est fini. Voilà. Nous avons toutes les améliorations de l'école du...